Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, spécialiste en verre à moitié plein. Aujourd'hui, j'essaye quelque chose, improvisation totale. J'ai eu cette idée-là, je me suis dit pourquoi pas. Mon seul but en toute humilité, c'est d'avoir du plaisir avec vous, de vous faire rire. Donc, j'utilise le dictionnaire Petit Larousse 2017, dans le temps que Oignon s'écrivait encore avec un G. Oui, je sais, c'est vieux. J'aime les vieilles affaires. Je travaille encore avec une dactylo. Donc, l'idée, c'est que je choisis un mot au hasard, puis je vous jase de ça. Puis, on va essayer d'avoir du fun. C'est bon? On part. Donc, je me ferme les yeux, je rouvre une page, je pointe. Oh, shopping! Shopping, je suis bonne là-dedans, shopping. Mais, attends un peu, qu'est-ce qu'ils disent shopping? Parce qu'il y a une différence entre magasiner et acheter, là. Action d'aller dans les magasins pour regarder, c'est ça. Pour regarder les étalages A et faire des achats. OK, ils mettent ça ensemble, eux autres. OK. Moi, là, j'aime acheter. Mais magasiner, là, moi, ce mot-là me rend folle. Magasiner, il y en a dans le temps que j'ai notaire, il appelait. Puis, bon, comment ça coûte? Je magasine un notaire un matin. Hey, premièrement, on magasine pas un notaire. Deuxièmement, le mot magasiner. Tu fais juste, hey, c'est des couilles, t'es interrompu à chaque fois. Moi, j'ai eu un ex, OK, un chum à l'époque. On allait magasiner. Moi, dans ma tête, magasiner, c'est acheter. OK? Je suis une acheteuse un peu compulsive. Moi, Facebook, là, clic, 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 PayPal, clic, 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 PayPal. Moi, je dure une demi-heure, puis je peux remplir une carte de crédit assez facile. Mais lui, on allait dans ce temps-là, on restait à Montréal. Et Montréal, on sait-tu, hein, Sainte-Catherine et compagnie, il y en a-tu des centres d'achat? À tous les samedis, on allait magasiner. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'arrivais pas à me dire. Ben non, on n'achètera rien, on va juste aller voir. Non, non, moi, dans ma tête, j'espérais tout le temps qu'il achète quelque chose. Mais non. C'était un coït interrompu à chaque fois. Parce qu'il voyait, mettons, il voulait avoir un manteau. Là, on allait dans toutes les boutiques à Sainte-Catherine des manteaux. Ils regardaient tout. Ils essayaient. Moi, je dis, il est beau, lui. Il est beau. Oui, c'est super. Mais il ressortait du magasin. On va aller ailleurs. On revenait chez nous. Marcel, lâche tes pattes. On revenait. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Marcel, mon chien, il se lèche les pattes par anxiété. Il ne faut pas qu'il fasse ça, sinon il boit. Ouais. Fait qu'à chaque fois, on revenait à la maison avec rien. Chloé était interrompu à chaque fois. Ça me décourageait tellement. Ouais. Mais le mot shopping. 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 Hein? Shopping. Quasiment que ça sonne comme un peu chinois. Shopping. Ça me fait rire que ce soit dans le dictionnaire La Petite Larousse. Parce que à la base, c'est un mot en anglais, cette histoire-là. Là. Mais à force de le dire, ils l'ont mis dans le dictionnaire. Ça m'impressionne. Shopping, dans le dictionnaire. Hein? Il y a des mots qu'on dit comme bronzing. Les Français disent ça, bronzing. Ça n'existe pas. Le jour où ça va être bronzing, on va aller voir. Es-tu là? On va aller voir. Il est peut-être rendu, hein? Même si c'est en 2017, on ne sait pas. Bronzing, j'espère que non. Mon Dieu, je fais une plainte. À qui de droit? Bronzing. Bronzing. B-R-O-Z. Fiu, il n'est pas là. Il y a Browning. Ah, Browning, c'est une sorte de gun. Puis celle-là, automatique. Mais il n'y a pas Bronzing. Bon. Hey, hein? Là, je ne sais pas quelle heure. Je ne sais pas comment ça fait tant que je suis là. Que je suis là. Je suis. Hein? On dit ça, nous autres, les Québécois. Je suis. On a tendance, hein? À chu. A, I. A pour elle, I pour lui. On ne parle pas très bien. Merci infiniment d'avoir assisté à cette bizarre de chronique ce matin, improvisée en entier avec une idée que j'ai eue ce matin, comme ça, en m'en venant au travail. Je me dis, on va essayer ça, l'improvisation dictionnaire larousienne. Improvisation larousienne. Voilà. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Je fais pas juste improviser dans la vie, je fais beaucoup d'autres choses. Je vous invite à visiter mon site internet mariejoseesaintlaurent.com où je vous offre des conférences positives, des chaufférences. C'est pas une chose, c'est pas une conférence, c'est quelque chose entre les deux, où on jase, où on danse. Un show d'humour aussi, des péripéties d'un notaire pas ordinaire, parce que j'ai écrit des livres d'anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau et que je fais en show maintenant. Je raconte ça en spectacle. Ensuite, j'ai encore pour un temps limité mes programmes en ligne de notaire pour vous aider à préparer testament, mandat, aide médicale à mourir, succession, mariage et achat de maison.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai mes livres qui sont en vente aussi à l'onglet boutique. J'ai des cartes sourire pour faire sourire votre monde qui attend dans votre salle d'attente. Hein, les comptables, temps de l'impôt, faites-le sourire avant de leur montrer le montant qu'ils doivent payer. Voilà, mariejoséesaint-laurent.com. Merci infiniment. Bonne fin de journée.